Direction la commande à sauce que je vais récupérer. C'est la fin du monde. C'est l'angoisse. Thomas, si jamais tu peux vlogger aussi avec ma caméra, que ce soit embarqué dans mon sac, ce serait bien. Ok, d'accord. Et là, en tout cas, je vois comme quoi le temps est éclaté, donc c'est incroyable. Le trou du cul del mundo. Bah là, on a le temps. Mais c'est incroyable. Bienvenue en Savoie. Bah voilà, merci la Savoie. Non, non. Mec. Ah non, mais c'est mon pire cauchemar là. J'ai peur des musiques. Putain, mais ils comptent sur une plate de con. Olivier Giroud. Mais on connaît pas. Non, pas Céline Dion. On va s'aimer, à toucher le ciel. Oui, oui, ça. Ah yo, tout le monde, vous allez bien? Bon, alors je vous explique. On est à Megève. Megève, c'est là où j'ai passé une grande partie de mon enfance. Et ça faisait longtemps que j'étais pas revenu ici. Et on est tous les quatre. Non, mais que tous les quatre. Je vais avoir un petit peu de monde qui ce soir. Peut-être que je fais un peu trois plans. En tout cas, on est dans une énorme baraque. Je vous montrerai ça demain. Demain, je fais un house tour. Même nous, je comprends pas pourquoi on est là. Mais demain, je vous expliquerai tout de A à Z. En tout cas, on est ici et je vous montre juste grosso modo. Voilà, je monte pas plus. On se retrouve. Yo tout le monde les gars, vous allez bien? Moi ça va bien. Bon alors je vous explique hein, ce qui s'est passé. On est arrivé ici à Megève, on est à Megève. Oh putain tu m'as fait peur mon dieu. Tu m'as fait peur. Donc du coup je disais comme quoi hier on est arrivé sur Megève. Donc oui on est à Megève, on est dans un endroit très très cool. Regardez en plus on est le lendemain. Il neige. C'est fou. Il neige. On s'en bat les couilles parce qu'on est ici et je vais vous montrer à quoi ressemble cette putain de maison. Attention les yeux. Attention vraiment les yeux. Attention. Attention les yeux. En tout cas voilà, du coup là on est dans notre chambre, donc autant vous dire qu'on est là. C'est une petite chambre. C'est une petite chambre. Donc ça c'est une chambre lambda on va dire, normale. Regardez la taille de l'écran mon dieu. La taille de l'écran qu'on a, c'est... juste... Bref, voilà. Là derrière du coup on a un énorme dressing, donc pour les meufs, regardez-moi ce bordel de meufs. Pour mettre vos chaussures, tout ça, c'est vraiment ouf. Et là, t'as un miroir. Donc attention quand même, donc réel miroir. Et dernière petite chose, bon ça on commence à être très très light. Hein. Regardez-moi ça. Voilà, c'est une cachette pour se cacher. C'est pas la plus petite, c'est une chambre lambda. Et je vous montre du coup directement la seconde chambre. Chambre, à quoi elle ressemble. Donc, cette école là. Ok, je remonterai plus tard. Du coup, la réelle seconde chambre. Donc, une chambre classique. Autant vous dire que c'est la chambre pour les enfants. Et par contre, un truc que j'ai jamais compris. Bon, ok, d'accord, ça. T'as un miroir, oh le... Oh, les photos, mon dieu. Bref, y a les... ça j'ai pas compris, je sais pas à quoi ça sert. Expliquez-moi. Je vais passer parce que je vais beaucoup marcher, je vais péter la gueule des escaliers. Et une autre chambre, donc la même chambre un peu, grosso modo, avec un écran un petit peu plus grand. Un lit... Elle est immense. On va passer, allez, regardez, même ça, même ça. Même ça, c'est joli. On est dans le chalet Keystone à Megève. C'est un chalet qui a été... entièrement redécoré, recréé, reconstruit de A à Z, qui a été carrément, qu'on recrée des pièces, vous allez voir, je vais vous montrer à la fin, par Icône. Je vous mets l'Instagram ici et dans la description, j'en rentre pas trop, je vais pas trop vite. Donc ils m'ont contacté il y a maintenant 4 mois, pour me proposer, bah écoute Jess, est-ce que ça te dit de venir ici et qu'on te montre un petit peu ce qu'on fait, et si voilà, tu veux passer un petit week-end, tranquille, on te propose de venir ici. Donc au début, moi, ce que je comptais faire, c'était venir pour le 31 décembre. Sauf que, parce qu'en fait, si on n'est pas venu le 31, c'est que ici, ce chalet-là, celui-ci, on a un contre-jour. Ce chalet ici, en fait, il coûte pour 2 semaines en période estivale, pour du coup Noël et le 31 décembre, la location. 75 000 euros. Ce chalet ici coûte... un petit peu plus, un petit peu moins, de 10 millions d'euros. Il coûte 10 millions d'euros. Ce chalet ici, ça coûte 10 millions.
Ce chalet coûte 10 millions d'euros, putain. Donc du coup, c'est pour ça en fait qu'on a vraiment une chance incroyable d'être ici, parce que pour le coup, je pense que ce chalet, j'aurais jamais pu venir ici de ma vie. C'est pas dans mes moyens, excusez-moi. Donc bref, on est ici, on est du coup pour deux jours jusqu'à demain dimanche. J'ai j'ai Manon, j'ai Marie, j'ai Flo ici sur ce côté-là, et on est ensemble tous les quatre, et surtout on est venu en fait pour l'anniversaire de Marie. Donc l'anniversaire de Marie, c'est ce soir, enfin demain, mais ce soir. Un petit peu en boîte, et donc du coup on est ici pour fêter ça, donc autant vous dire que on est bien. Je parle mais je vais vous montrer un petit peu la salle principale, à quoi ça ressemble ici. Voici le salon. Ça c'est une partie du salon, il n'y a pas de télé là encore, il n'y a pas la télé, juste le salon histoire de se poser tranquillement. Là, il y a du canapé, putain tout est grand ici, tout est excessivement. Oh putain, tout est excessivement. Premier canapé, second canapé à peu près je pense les uns des autres. 30 mètres, voilà, à peu près, approximativement 30 mètres, voilà. Il faut zoomer pour voir, bref, voilà. La table de malade, donc, la table de taré, avec ça, sur... Là, je vous montrerai, c'est là, là, ça se passe ici. Là, en bas, c'est incroyable, hein. Je vous dis, en bas, ce qui se passe, c'est un autre monde, hein, vous allez voir. Hein. Je vous montre le coin le plus cool. Merde, je m'étais. Le coin le plus cool de cette salle à manger. Alors... Ah oui, ça, je peux montrer ça. Ça, ce billard, incroyable. Le design est fabuleux. Ça, oula, je vous le dis. Celui-ci, ce billard, là, vous voyez, ça, 29 000 euros. C'est juste ça. Et là, on est où? On est dans l'endroit le plus chill of the world, le mieux. Attendez, est-ce qu'on peut ouvrir un petit peu, histoire de voir un petit peu ce qui se passe? Le salon, mon gars. Le salon, avec une télé, approximativement, Marseille. Paris. La télé est incroyable, absolument incroyable. Le canapé est fabuleux parce que je pense que absolument tout mon immeuble à Lyon peut se poser ici. Regardez, mon pied est ici. Et là, on va pas cracher dans la soupe, mais là pour le coup, sur le gâteau, simplement je vous montre un truc. Je pense qu'avant il y a des mecs qui sont venus ici pour bah, du coup pour faire pour louer. Je pense qu'ils se sont fait plaisir en fait. Ah, il y a plus merde. En fait, ici, on arrive, et je pense que c'était les Allemands, parce que, oui, c'est parce que déjà, là, la télé est normalement. Mais je pense qu'il s'était vraiment mis bien, le mec, je pense, une nuit, parce que on est arrivé, il y avait un gros film de cul. Voilà, il y avait un gros film de cul en Dutch, donc autant vous dire que le feu, vraiment, je pense, meilleur moment de son week-end, le mec, hein, vraiment très très bien. Une entrée, bonjour Florian. C'est Chaz. The real Jazz. Bonjour tout le monde, ça va? Yes. Santé, salut, enchanté. Excellent. T'arrives ici, voilà, tu vois ça, tu fais bon, allez, on arrive dans un endroit un peu ouf. Et simplement, il faut que vous voyez un truc, parce que les gens qui adorent les photos, il faut que je vous montre ça. Ce lustre est incroyable. Bon, je dis trop le mot incroyable, mais ce lustre. Et les mecs s'en battent les couilles, hein, mais je vous le montre quand même, hein. Juste, voilà. 11 minutes pour faire ce tour et c'est pas encore terminé, donc du coup on arrive à la dernière, enfin non, au 1, 2, 3, 3ème, pardon, au rez-de-chaussée, on va dire, au rez-de-chaussée, et là il se passe beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses, une grosse chose, donc du coup je vous montre à quoi ressemble. Ah oui, il faut savoir un truc, c'est que la nuit, quand on doit éteindre les lumières, c'est plus compliqué qu'une partie cluedo, hein, je vous le dis. Donc une petite chambre, tard la chambre, réelle chambre, si je fais on, non mais tout qui s'allume, pas du tout, terre, stuffed. Terre. Je comprends pas. Le tapis, mec, d'une finesse. Le tapis, il est carrément. Ah putain, le tapis, il est carrément dans le bois, on s'en bat les couilles. Un chiotte. Bon, alors, ouais, simplement, je vous montre du coup à quoi ressemble la porte d'entrée. Donc, une porte d'entrée comme ceci. Personnellement, j'ai rarement vu ça, hormis quand tu rentres dans un magasin. Un chiotte directement ici, parce que oui, il faut un chiotte, parce qu'en fait, là, il y a une espèce de. Déjà, de demi-miroir, déjà, histoire que tu puisses te voir quand tu poses. C'est la pièce. Bon. C'est un peu mouillé, mais alors le coach c'est 12. C'est ça. Il fait super chaud et c'est là qu'on est là. Hier du coup on a terminé notre soirée. Voilà, on s'est posé, petite bouteille d'alcool, petite musique, parce que oui, musique ici, c'est le système le plus compliqué pour moi, je pense, avec Sono pour tout comprendre, parce que c'est pas simplement la petite enceinte chez toi, non, c'est tout est relié, donc du coup c'est un peu compliqué. Sur le coup d'hier matin, on s'est dit bon, si on descendait. Bon, j'ai hâte de montrer. Ma tête, mais si on descendait ici, une putain de piscine intérieure, on était 10 ici, musique à fond,
Oh là là, putain, mon gars, incroyable. Mec, regardez-moi comment c'est incroyable. Regardez, il neige. Et tu te baignes. Tu sais, c'est l'eau un peu tiède quand t'as plus trop d'eau chaude chez toi, mais un petit peu d'eau froide, tu vois. Donc du coup, tu mets juste au maximum l'eau chaude et du coup, ça donne ça. C'est l'eau de la piscine. Une dernière partie, vraiment. Bon, c'est pas terminé. Il y a juste un dernier truc. Il faut que je vous montre. Ça. Vous voyez ça là? Ça. C'est du bois, c'est du vrai bois. C'est du bois pas momifié. Manon? C'est du bois comment ça? Le bois en bas là, c'est du bois pétrifié. Pétrifié, voilà, c'est du bois pétrifié mon gars. Et on dirait du verre, de la pierre, alors que c'est du vrai bois. Ça me tue, je sais pas comment ça fait la vie, mais c'est beau. Dans la partie qui n'est pas des moindres, je pense d'ici 6 mois, vous allez comprendre pourquoi. Parce que là en fait, du coup on est au dernier étage. On accède au garage. Donc je vais allumer parce que la vie de ma mère, ici, on paye pas d'électricité. J'ai envie de vous dire, allô? Ça résonne. J'ouvre la porte, ça s'ouvre, ça s'allume tout seul. Bref, alors du coup là on est dans un garage. Mais pas le garage, pas le garage que t'as toi pour... Vous entendez quand ça résonne? Pas le garage toi que t'as pour mettre ta tondeuse électrique, ta petite voiture. Non, respectez-nous quand même. Il y a une porte là, c'est quoi ça? Je connais pas ça par contre, on découvre en temps réel. Il y a un cadavre? Regardez-moi la taille de ce putain de garage. Donc je pense que là on entend comme quoi ça résonne un petit peu. Donc en fait ce qu'ils nous ont expliqué c'est que le chalet n'est pas encore terminé parce que là ils vont faire une dernière partie, donc le sous-sol, ils vont faire une salle de sport. Tu fais ce que tu veux, une salle de sport, des dépôts, également un sauna, un hammam, bref beaucoup de choses. Là j'ai peur d'aller en dessous parce que là on va directement sous la piscine. Je ne veux pas, non. Et la dernière partie que je vais vous montrer, le clou du spectacle comme on dit. C'est le clou du spectacle. C'est que, mec, regardez, la piscine, on a une putain de vitre qui donne sur la piscine. Et ça vous rappelle quoi? Qu'est-ce que ça vous rappelle pour ceux qui regardent un petit peu Twitter toute leur vie? Ça vous rappelle quoi? Exactement, mon gars. Exactement, la Sarah Fressou avec ses gros smiches là, qui étaient collés à la vitre. Exactement, mec. Donc, les photos que je vais faire ici, mon gars, pendant ce soir et demain. My god. J'ai terminé, je suis en train de remonter, je vous montre simplement la petite baignoire, vraiment. Parce qu'il faut toujours une grosse baignoire. Oh Jelly! Oh, je déteste! Y'a pas que des douches. Bah non, pas que des douches. Parce que s'il y avait que des douches, bah c'est du prank, non. Donc ça c'est la grande chambre de Marie-Flo. Donc c'est ta chambre avec l'écran qui est même... J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus petit que la nôtre. Ils sont fait niquer. Il y a pas un truc qui traîne, non? C'est bon, je vais vous montrer. Regardez-moi cette baignoire. Mec. Bon, c'est bon, vous avez vu, c'est une baignoire, mais... Tout est beau. Une douche, mec, pour deux. Une douche pour deux. Voilà. C'est tout. Moi, quand je cherche un putain de fringue le matin avant de partir au taf, bah je galère pendant 10 minutes, mais là t'as pas besoin de galérer pendant 10 minutes. Voilà, du coup on est retourné dans la chambre les gars, dans notre chambre. Donc voilà, c'était le house tour de la maison de 10 millions d'euros. Incroyable, donc merci encore beaucoup à Keystone, non Keystone, à Icon, le chef c'est Keystone, à Icon. Donc là pour le coup vraiment, ils ont fait un truc de ouf. Franchement pour le coup, vous allez voir énormément de photos je pense sur mon Instagram concernant ce chalet, plein de poses de beaux gosses, un peu moins beaux gosses, du chalet. Je suis essoufflé sa mère, putain. On t'a offert un meuble, c'est vraiment un meuble. Je déconne pas, c'est vraiment un meuble. C'est vrai, c'est un meuble. Elle est conne. Elle est conne. Il va rien, t'as fait une voiture. Mais c'est vrai. Mais putain, mais c'est des voitures.